C'est un serpent de mer dans la plupart des communes associées de Polynésie, la défusion et avec elle, l'espoir de l'indépendance politique et budgétaire. Sur la côte est de la presqu'île de Tahiti, les communes sont rattachées entre elles depuis 1973. Oui mais voilà, les habitants de la pointe de Tautila réclament la défusion depuis 1988. Après les dernières élections municipales de 2014, ils créent le comité 808 et passent à la vitesse supérieure avec des pétitions. Car ce qui a mis le feu aux poudres, c'est bien la désignation d'un maire délégué qui n'avait pas remporté la majorité des voix sur Tautila. La procédure prévue par le Code général des collectivités est désormais lancée. Une enquête publique et des réunions vont avoir lieu durant ce mois d'octobre. Les sécessionnistes pointent une hyper-centralisation des moyens à Afahiti et un manque de services dans leur petite commune. Avant elle, la commune de Hitia avait tenté, elle aussi, une défusion. Elle attend une réponse avant la fin de cette année, même si l'État se positionne contre toute séparation sur le principe. Les communes déléguées de Makemo, Tuamotu rêvent également de défusion. Lors du dernier recensement du syndicat pour la promotion des communes, 31% d'entre elles souhaitaient devenir des communes de plein exercice.